Le studio Sandra Recio, installé depuis 2010 dans le quartier du Port Franc à Nancy, a reçu l'artiste Olga Titus pour sa nouvelle exposition. À cette occasion, la galerie a organisé un vernissage le 22 septembre dernier. Les œuvres d'Olga Titus trouvent leur fondement dans son double héritage culturel. Cette dernière, originaire de Malaisie et de Winterthur, utilise d'étonnants matériaux pour mettre en valeur ses racines. C'est un travail qui traite les racines culturelles d'une personne. Et surtout ici, dans ces cas-là, de pays différents, de grandir avec des cultures différentes et porter ça dans soi et de l'exprimer d'une façon très joyeuse, cherchant tous les côtés positifs qu'il y a. My exhibition in the studio Sandra Recio is it has different installations and manipulated oil paintings with video and light boxes and one work behind a mirror. Une des particularités de cet artiste tient dans le fait de réutiliser de vieilles peintures abandonnées et de leur donner un second souffle de vie. They are like emotional, already nourished pictures with emotions through the viewer, and I work with this existing emotion in the picture and I transform it into something new. I also work with these installation objects here, which are like from my personal belongings or presence. En travaillant sur la perception interne et externe de l'identité, Olga Titus cherche à mettre en évidence la manière dont les gens perçoivent des images manipulées. I don't have like one main aim what I want the people to see. I think in different works it's different things which I try to evoke. Most of the works I try the people look more behind the surface of things and rethink situations. Avis aux amateurs d'art contemporain à la recherche de nouveaux concepts artistiques à la fois surprenants et originaux. L'exposition est ouverte du 23 septembre au 4 novembre. La galerie est ouverte de 10h du matin à 12h30 et de 14h à 18h.